Bonjour à tous et bienvenue pour cette deuxième partie sur la leçon consacrée à Nahiri Dango. Je vous rappelle que vous pouvez toujours revoir la première partie et qu'il y aura toujours quelques petits spoils dans cette leçon. Donc, comme je le disais la dernière fois avant d'être interrompu, on a un petit peu fait le tour de la base de Nahiri Dango. Mais vous doutez bien qu'avec 37 volumes, c'est pas les personnages et les péripéties qui manquent. Mais on ne peut pas parler de tout, donc on va se focaliser sur deux thèmes qui nous paraissent très importants dans la série, puis on évoquera quelques points plus négatifs. On va commencer par le thème qui a grandement participé à populariser le titre, le harcèlement scolaire au Japon. En effet, les brimades que subit Tsukushi dans son lycée ne sont pas un simple ressort scénaristique ou un cas isolé. C'est une réalité très prégnante et bien intégrée dans la culture japonaise. Ce phénomène d'harcèlement scolaire s'appelle en japonais ijime, qui peut se traduire littéralement par intimidation. Cependant, même si l'ijime est un phénomène très courant en milieu scolaire, école primaire, collège, lycée, il peut également se retrouver en milieu professionnel. L'élève victime d'ijime se retrouve rejeté par une grande partie, voire de toute sa classe. Cette isolation peut s'accompagner de toutes sortes de brimades, telles que les insultes, le racket, les calomnies, le harcèlement moral, les violences physiques, voire pire. La victime se retrouve totalement isolée, et même ceux qui désapprouvent l'ijime n'osent pas s'exprimer, par peur de devenir la prochaine cible du groupe. Et le pire, c'est que les établissements ferment souvent les yeux sur les cas d'ijime. L'effet pervers de l'ijime, c'est que la victime est souvent considérée comme la cause du problème. En effet, au Japon, l'instinct de groupe et de la communauté est très prononcé, et l'intérêt général passe avant celui de l'individu. La victime de l'ijime n'a donc pas réussi à s'intégrer au groupe, et pour cela, elle est punie. Après, attention, bien que tout cela semble promouvoir le travail et l'esprit d'équipe, ce qui n'est pas une mauvaise chose à la base, les motifs de l'ijime à l'école viennent souvent de détails très anodins, voire puérils. L'élève porte un vêtement différent, c'est le chouchou du prof, l'intello ou le cancre de la classe. Il a une caractéristique physique trop prononcée, il vient d'une région différente, etc. La réalité est souvent bien plus cruelle et bien moins noble que le but recherché au départ. Il faut aussi savoir que l'ijime est une cause très importante de suicide chez les jeunes au Japon et que les cas recensés d'harcèlement scolaire ne cessent d'augmenter. Pour en revenir à Nahiri Dango, ce n'est certes pas le seul manga qui aborde le thème de l'ijime. Je sais qu'on cite souvent le shoujo Life, dont l'ijime est le thème central, mais je n'ai pas lu cette série et rappelons qu'Nahiri Dango a débuté en 1992, donc 10 ans avant Life. Je ne sais pas si Nahiri Dango est la toute première série à parler d'ijime, mais je pense qu'elle fait partie des premières séries à dénoncer ce phénomène. Vous vous rappelez qu'on a dit qu'Nahiri Dango s'est fait connaître au Japon grâce au thème de l'ijime? Eh bien apparemment, beaucoup de personnes voyaient dans Nahiri Dango un portrait réaliste de l'ijime scolaire. Yoko Kamio était même surprise des nombreux témoignages de lecteurs qu'elle recevait, lui rapportant leur propre expérience de ce phénomène. C'est ce qui a poussé la mangaka à faire de Tsukushi un modèle pour cette jeunesse, une voix pour dénoncer la violence passée sous silence, afin d'aider ses lecteurs et les jeunes en général à surmonter l'ijime, ce qui ne fait qu'agrandir l'aura déjà très classe de notre héroïne et de la série. Il est donc important pour nous d'insister sur ce point, parce qu'avant de lire des mangas, on ne se doutait pas que de telles formes de violence puissent exister. Certes, nous n'étions pas ignorants de l'existence du harcèlement scolaire, mais la description qui en était faite dans les shoujo que nous avons lus, comme Girls, Nahiri Dango ou Peach Girl par exemple, nous semblait trop horrible pour être vraie. On pensait vraiment que les faits étaient exagérés par la fiction, surtout lorsqu'il se déroule dans un pays aussi différent et éloigné du nôtre. Il est donc très important aujourd'hui de continuer de mettre en avant les œuvres qui dénoncent ce phénomène, et plus particulièrement de celle qui a peut-être servi de modèle et de moteur. D'ailleurs, le combat contre le harcèlement et la pression subie par la jeunesse japonaise de Yoko Kamio ne s'arrêtera pas avec Nahiri Dango. On peut aussi mentionner sa série suivante, Cat Street, dont l'héroïne est une hikikomori, terme qui désigne une personne vivant coupée du monde extérieur dans l'isolement le plus total. Si un jour on a l'occasion, on vous en parlera. Il est donc très positif que des héroïnes comme Tsukushi continuent de voir le jour et que l'on continue de parler d'elles, parce que ce genre de personnages peuvent devenir de véritables soutiens insoupçonnés et des modèles inspirants pour les lecteurs. Le deuxième thème que nous voulions aborder s'inscrit dans la continuité du premier. On voulait creuser davantage notre avis sur Tsukushi et surtout ce qu'elle représente. On a déjà beaucoup insisté, mais la force de caractère de Tsukushi sera souvent mise à l'épreuve. On a beaucoup parlé de l'ijime, mais ce n'est que l'un des nombreux obstacles que Tsukushi aura à affronter. La série est longue et semée d'embûches pour notre héroïne. Tsukushi a compris très tôt qu'elle ne pourrait pas devenir une princesse, et la vie ne lui fait définitivement pas de cadeau. Mais Tsukushi affronte tous les problèmes de la vie avec la même énergie, elle réussit toujours à se relever, et chaque coup dur que la vie lui impose est une nouvelle opportunité pour elle de tester sa résistance. On dirait même que plus l'obstacle est ardu, et plus elle en ressort grandie. Après, Tsukushi n'est pas invincible. Elle va également douter, être démoralisée, parfois elle baisse les bras, et souvent son orgueil l'empêche d'avouer qu'il est difficile pour elle de tout gérer. Comme on l'a dit, les obstacles, c'est pas ce qui manque. L'ijime, les études, le travail, les problèmes financiers et familiaux, l'amitié, les rivalités, nobles ou mesquines, l'injustice,
et surtout l'amour. Parce que la romance prend une place importante dans le manga, et elle représente sûrement le plus grand défi à relever pour Tsukushi. Mais le plus important, c'est que tout cela n'empêche pas Tsukushi de tracer sa propre voie, de défendre ses convictions, et elle n'a jamais eu honte de qui elle était ni d'où elle venait, et elle ne laisse personne la rabaisser. Elle se bat avec acharnement, et elle est toujours prête à mettre son énergie au service d'autrui. Tsukushi donne énormément. Elle est rarement récompensée à sa juste valeur, mais c'est la vie, et ça, Tsukushi en a bien conscience. Tsukasa sera le premier à se rendre compte de la valeur de Tsukushi, et ce sera un déclic pour lui. Mais il ne sera pas le seul à être touché par notre héroïne. La liste est très longue, mais déjà, Tsukushi va réussir le tour de force d'amadouer l'ensemble du F4, ce qui est déjà un bel exploit en soi. Certes, ses relations avec Rui et Tsukasa seront très mouvementées, mais elle va réussir à s'intégrer petit à petit au groupe de garçons. Sojiro et Akira lui offriront même une amitié et un soutien solide lors de ses nombreuses péripéties. Tout ça pour dire que, même si Tsukushi n'est pas notre personnage préféré d'Anayori Dango, elle reste un personnage féminin très attachant et très inspirant. Tsukushi n'est pas seulement un bon modèle à suivre, elle nous rappelle que peu importe les épreuves que la vie nous envoie, on peut toujours trouver la force de les surmonter et de se forger notre propre destin. Ce serait vraiment bien que davantage de shoujo nous proposent des héroïnes comme elle. Bon, je crois que vous avez compris toute l'admiration que nous avons pour Tsukushi et notre attachement pour Anayori Dango en général. Mais aussi géniale que soit la série, elle n'est pas exempte de défauts et on aimerait en mentionner quelques-uns. D'abord un défaut qui risque de vous sauter littéralement au visage dès les premières pages, les graphismes. Je culpabilise toujours quand je dis que les graphismes d'un shoujo sont moches, parce que moi-même, je n'ai aucun talent ni aucun attrait pour le dessin. Mais là, mon dieu, c'est difficile de soutenir le contraire. Les proportions ne sont pas respectées, et les traits sont assez irréguliers. Du coup, quand on affirme que tel personnage est beau, j'ai vraiment du mal à y croire. Pour être complètement honnête avec vous, lorsque la publication d'Anayori Dango a débuté en France, on trouvait des dessins tellement mauvais qu'on n'a même pas essayé de lire la série. Oui, je sais, on a totalement jugé un shoujo à sa couverture. Je crois que la série en était au tome 10 ou 12, lorsqu'on lui a finalement laissé une chance. On dira tout ce qu'on voudra, le manga est avant tout un support visuel. Donc, si on n'accroche pas au graphisme, c'est parfois difficile de laisser une chance à l'histoire. Nous avons bien conscience que les graphismes d'Anayori Dango peuvent grandement rebuter, mais il faut savoir aussi que le style de Yoko Kamio évolue énormément durant la série, pour devenir tout à fait agréable. C'est donc un défaut qui se corrige avec le temps. Donc essayez de passer outre. Il y a un autre défaut qui risque de dérouter les plus jeunes d'entre vous. Vous vous rappelez la date de publication d'Anayori Dango au Japon ? 1992. Ah, les années 90. Je sais que le rétro est très à la mode, mais je pense aussi que certaines choses du passé doivent rester où elles sont. Anayori Dango est une œuvre qui s'inscrit dans son époque. Et ça se voit. Préparez-vous donc à voir des vêtements et des coiffures qui ont bien fait de tomber dans l'oubli, si vous voulez mon avis. J'ai pourtant grandi dans les années 90, mais je ne pense pas que ce soit la meilleure période vestimentaire à retenir. Je crois que ce qui m'a le plus traumatisé, c'est quand Tsukasa offre à Tsukushi un beeper pour lui envoyer des messages. Bon, il n'utilise pas exactement ce terme-là, mais c'est clairement un beeper. Pour bien que vous vous rendiez compte, le beeper c'est un peu l'ancêtre très lointain du téléphone portable. Un beeper, ça sert à recevoir des messages. C'est tout. Juste recevoir. Vous pouviez pas y répondre. J'ai tellement bugué quand j'ai vu ça, parce que pour les personnages, c'était tellement la pointe de la technologie à l'époque. Bon là, on exagère et on se moque un peu, parce que ce n'est pas réellement un défaut. C'est juste qu'il faut recontextualiser l'œuvre. Mais même pour nous, c'était un peu difficile. Passons maintenant à un défaut bien plus problématique, la longueur de l'œuvre. 37 tomes, c'est beaucoup trop long. Je sais qu'à côté des plus de 80 tomes de One Piece, c'est rien, mais pour comparer, Fullmetal Alchemist fait 27 tomes, et Ranma 1,5, 38. Et Anayori Dango fait partie des séries shoujo les plus longues à ce jour. Pour être parfaitement précise, l'histoire d'Anayori Dango se termine au tome 36. Le tome 37 est un recueil d'histoires bonus qui s'inscrivent dans la continuité du tome 36. Oui, mais c'est pas vraiment le problème. Enfin, le problème ce n'est pas vraiment la quantité, c'est juste qu'au bout d'un moment, l'histoire traîne en longueur et on s'ennuie un peu. En fait, au début, même si les tomes s'accumulent, l'histoire avance, les personnages évoluent et on ne voit pas les tomes passer. Et lorsqu'on commence à sentir un flottement dans l'histoire, il y a un tournant très important qui survient au tome 26-27. Là, les choses semblent s'accélérer, et puis on refait tranquillement du surplace jusqu'à la fin. Ce qui fait qu'on a un rythme assez inégal, et c'est un peu frustrant. Ça l'est encore plus lorsqu'on a compris comment fonctionnent les arcs de l'histoire. Au bout d'un moment, la mise en scène se répète. Un nouveau personnage est introduit, et avec lui une nouvelle péripétie. Et là, tu sais que tu en as au moins pour 3 tomes, jusqu'à ce que cette péripétie trouve une résolution. Et puis on a droit à un petit moment de calme relatif, et puis bim, un nouveau personnage est introduit, et rebelote. Non, sérieusement, au bout d'un moment, quand tu vois un nouveau personnage apparaître, tu prends une grande inspiration,
et tu soupires parce que tu sais que tu vas devoir encore prendre ton mal en patience. Les personnages secondaires sont bien travaillés, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que même si tu t'attaches à eux, tu sais qu'une fois que l'arc sera terminé, dans la grande majorité des cas, tu n'entendras plus jamais parler d'eux. Et là où ça me gonfle vraiment, c'est que plutôt que d'utiliser ces longueurs pour développer des personnages introduits dès le premier tome, on rajoute encore et encore de nouveaux personnages. Et quand je dis ça, je pense plus particulièrement au personnage d'Akira, qui fait pourtant partie du F4, donc un personnage récurrent, mais qui se retrouve rapidement relégué comme élément du décor. Je comprends que Tsukasa et Rui soient davantage mis en avant à cause de leur relation avec Tsukushi, mais même Sojiro a eu droit à son arc personnel bien développé. Et encore, c'est grâce à sa relation avec la meilleure amie de Tsukushi. Alors que sur 37 tomes, Akira aura droit à 2 chapitres en tout centrés sur lui. Et encore, je suis généreuse. Malgré ce problème de longueur et de rythme, Anayoi Dango reste une belle aventure. Cette longueur reste nécessaire, je pense, pour l'évolution des personnages et de leurs relations. Il sera parfois difficile de rester attentif, mais les personnages, les situations et surtout l'humour de la série vous aideront grandement à surmonter ce défaut. Et pour terminer, on voulait vous mentionner les adaptations d'Anayoi Dango. Elles sont assez nombreuses et elles ont largement contribué à la diffusion et la popularisation de la série. Anayoi Dango a évidemment été adapté en animé de 51 épisodes en 1996. L'animé s'accompagne d'un film d'animation, mais il n'adapte le manga que jusqu'au tome 16 environ. Ce qui veut dire pas grand-chose. Perso, on trouve l'animé assez old school, moche et un peu mou aussi. Franchement, on vous le conseille pas. Pour ce qui est des adaptations live, il existe un film japonais, une série taïwanaise intitulée Meteor Garden, une série japonaise intitulée sobrement Anayoi Dango, une série coréenne intitulée Boys Over Flowers, une série chinoise intitulée Meteor Shower, et depuis quelques temps, vous pouvez aussi trouver sur Netflix une série chinoise intitulée Meteor Garden, qui est un remake de la série taïwanaise du même nom. Ce qui est sûr, c'est qu'Anayoi Dango a suscité beaucoup d'engouement en Asie. Nous allons nous attarder davantage sur le drama japonais, parce que c'est la seule adaptation live que nous avons vue. Ce drama se compose de 2 saisons. La première date de 2005 et compte 9 épisodes, et la deuxième date de 2007 et compte 11 épisodes. Et la série se clôture avec un film en 2008. Le gros avantage de ce drama, c'est qu'il est assez fidèle au manga, et en même temps plus compact. Le drama n'a conservé que les personnages secondaires les plus intéressants, ce qui fait que l'on a moins de péripéties inutiles. Le rythme est plus soutenu, donc on ne s'ennuie pas. En tout cas, nous, on a enchaîné les épisodes. Les acteurs sont bien choisis, voire même très bien choisis pour certains d'entre eux, et retranscrivent bien le caractère des personnages. Et surtout, les musiques. Les musiques de ce drama sont juste magnifiques. L'humour est aussi bien retranscrit. Bon, après, c'est de l'humour japonais. Parfois, c'est un peu exagéré, donc faut être sensible à ce genre d'humour. La première saison du drama est géniale. Le seul point à souligner, c'est que le drama est plus soft que le manga. Par exemple, les brimades que subit Tsukushi sont plus édulcorées. Elles ne sont pas censurées, mais dans le manga, certaines scènes étaient bien plus violentes. Dans la même lignée, dès le premier épisode, même si Tsukasa nous est présenté comme un garçon égoïste et violent, le drama nous montre aussi tout de suite son côté plus sensible et maladroit. Ça renvoie immédiatement une image plus positive de Tsukasa, et ça facilite notre attachement au personnage. Bon, ça c'est pour la saison 1. La saison 2 est cool aussi, mais un peu moins prenante. En fait, la saison 1 avait une fin, et le drama aurait pu s'arrêter là. Mais suite à son succès, il rempile pour une saison 2 qui pioche dans des péripéties plus tardives et plus secondaires du manga, et qui intègre un événement inédit dans la vie de Tsukasa, mais qui est plutôt bien amené et qui s'intègre intelligemment dans l'histoire. Cette saison 2 est vraiment bien dans l'ensemble, mais elle tombe un peu plus dans le drama façon soap-opéra, avec quelques longueurs qui étirent trop la série. Donc, on retombe un peu sur le même défaut que pour le manga, mais dans une moindre mesure, pas assez de rythme. Malgré ça, la série reste majoritairement excellente, et c'était aussi l'occasion de vous conseiller un drama pour une fois. Et je vous rappelle que l'aventure Anayoi Dango se poursuit encore aujourd'hui avec sa suite, Ananochi Are, qui a débuté au Japon en 2015 et qui est publiée en France depuis avril 2018 aux éditions Glénat. On vous renvoie au cours express de présentation de cette suite. J'espère juste qu'Ananochi Are saura faire honneur à sa grande sœur, ou vous donnera envie de la lire. Et voilà, on a terminé notre petit tour d'Anayoi Dango. Il y aurait encore tellement à dire, mais je pense vraiment qu'on a mis l'accent sur ce qui était essentiel pour nous. Je sais qu'à chaque fois on conclut la leçon en vous conseillant très fortement le shoujo du jour, mais là vraiment, sur les 18 shoujo que l'on vous a présentés depuis le début de la chaîne, sans compter les cours express, s'il y en a bien un seul que vous devriez lire, c'est celui-là. Et voilà, cette leçon est à présent terminée, et comme d'habitude, j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, n'oubliez pas le like, le commentaire, l'abonnement et surtout le partage de la vidéo.
En tout cas, nous, on est très contentes de vous retrouver pour une nouvelle année scolaire et on se retrouve très vite pour de nouvelles leçons à l'école du Shōjo. Bye !